Bonjour à tous, donc je vous fais une petite vidéo pour le branchement du feu à LED sur booster parce qu'on ne trouve rien sur internet et il y en a plein qui galèrent, donc je voulais donner un petit coup de main. Donc c'est très simple, vous allez voir, hein. Une fois qu'on a le code couleur, tout va bien. Donc comme vous pouvez le voir, ça fonctionne. Hop. Donc pour le moment, j'ai laissé les feux, les clignotants, hein, mais je vais les retirer après. Voilà, donc tout marche nickel. Donc je vais vous montrer les branchements. Donc là pour le moment j'ai mis un certain vagot ici, hein, donc criez pas au scandale, c'est pas grave. C'est juste parce que c'est un branchement temporaire, parce que je vais recevoir un tracker GPS que je vais monter dessus et donc j'ai besoin encore d'avoir accès au fil. Donc sur le feu c'est très simple. Je vais vous expliquer. Donc le feu vert, le fil vert ici, c'est pour le clignotant droite. Ensuite, au niveau du clignotant gauche, donc c'est ici, c'est le fil bleu, ok, donc le fil bleu sur votre clignotant gauche. Ensuite il nous reste trois fils, donc le noir en toute logique c'est la masse, donc là dessus il n'y a pas à tergiverser. Le fil jaune c'est pour le feu stop, et enfin le fil rouge c'est pour la veilleuse. Voilà, donc c'est très simple, hein. Donc vous branchez avec ces petites attaches là. Vous dénudez les fils proprement. Donc moi après je vais mettre des attaches comme ça partout, hein. Et voilà, et ensuite, il n'y a plus qu'à monter. Voilà, bah j'espère vous avoir aidé. Voilà, moins de 2 minutes la vidéo, tranquille, et avec ça, vous allez moins vous prendre la tête. Allez, salut!